secondaire. Je vous donne un exemple, là, dans la première, là, il voudrait qu'elle ait l'assurance d'un revenu régulier. Là, je vais vous demander de présenter la citation qui va suivre, c'est-à-dire de présenter votre preuve. Hein, parce que ça, si on s'en veut, c'est l'argument pour présenter la preuve. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là, c'est que ici, vous avez une idée secondaire. Une idée secondaire. Hein? Là, ce qu'il va falloir poursuivre le texte, il va falloir que vous apportiez votre preuve. Attends. Ça, c'est le texte de Bernard Occasion sur lequel on a travaillé la semaine passée.
session 4 heures par semaine. Là, on peut faire une session, on peut faire bien les exercices. On a tout limité. Donc, je crois que Jules avait terminé. Je vais vous demander de citer, de vous citer, de me réciter ce que vous avez dit. J'ai dit ceci, j'ai pris le premier argument. Oui. Secondaire, il pouvait être l'assurance de l'environnement humain. Ceci s'explique bien par les choses. Toi, t'es à la vie. La première mission, yes. Parfait. Non, je vais juste. Est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux? Ah, ouais, c'est ça que j'allais dire. Vous avez oublié. Hein, je vais vous laisser le faire. Je l'avais oublié de fermer les lignes. Donc, je ne pourrais citer plus. Pas. Donc, c'est sur l'argument. Il voudrait qu'elle ait l'assurance d'un revenu régulier. Il voudrait qu'elle ait l'assurance d'un revenu régulier. Ceci s'explique bien par l'extrait de points réguliers. Toi, t'es à la vie, point. 97$, tu es moi, point, fermé. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait une. Oui, vas-y. Je voulais juste prendre en fait pour mon accomplissement personnel. En effet, il veut prouver à votre mère qu'il est capable de subvenir aux besoins de la famille. De faire comprendre. Ah, tu as toujours pensé hein, que je ne pouvais pas moi les arranger pour le faire. Parfait. Moi aussi, je pourrais. À partir du mois de juillet, tu vas recevoir le nouveau temps de l'eau en gauche et le gouvernement qui va décider si tu as pas de temps. Ok, mais comment vous présentez votre citation? Ah, il dit que comme on peut voir dans le texte, Ok, et ensuite, appelons le texte de point. Ouais. Texte plan. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager? C'est parfait. Vous avez bien fait aussi. Je crois que vous avez tous bien fait. La documentation en 2.3, vous avez toutes les informations pour comment faire des citations. Mais il y a une notion qui n'est pas expliquée dedans. OK, là, on a vu les trois citations que vous avez faites. Les trois présentations de citations que vous avez faites sont des citations qu'on appelle en discours direct rapporté. Ou rapporté direct. C'est-à-dire qu'on a un deux points, on a des guillemets, on a une citation, puis on ferme les guillemets. La notion qui n'est pas écrite dans le document 3A, bon, il y a un deux points. On ouvre les guillemets, on donne de l'information, on ferme les guillemets. On a un point. Puis si la phrase est complète, là, qu'on met un point ici, on ne peut pas en mettre un. Okay?
sujet, c'est ceci. Puis la manière, en fait, c'est que ça s'explique bien. Donc, bien, c'est un adverbe par l'expliquer. Hein, donc, l'exemple d'Alexandre, l'extrême suivant nous le fait comprendre. Donc, le verbe conjugué, c'est comprendre. Qui est-ce qui comme fait l'action? Qui est-ce qui fait? Le verbe conjugué, c'est fait comprendre. Qui est-ce qui fait comprendre? C'est l'extrait. Fait comprendre à qui? À nous. Donc, le complément, c'est nous. Hein? L'extrait suivant nous le fait comprendre. Donc, vous avez tous les deux un petit P plus, donc le premier mot. C'est parfait. Je vais vous donner un exemple d'erreur que je vois très souvent. Il n'y a pas de verbe. Il n'y a pas de verbe, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de verbe. Il n'y a rien, c'est... Ça, là, c'est une faute qu'on appelle... une faute de syntaxe. Parce qu'il n'y a pas de verbe conjugué. C'est une faute de syntaxe, donc c'est un point. Et vous imaginez bien que l'étudiant qui m'écrit ça, c'est qu'il fait trois arguments de preuve d'explication par paragraphe, puis il fait trois paragraphes, il vient de perdre 9 points. À chaque fois, il doit écrire ça. On peut le voir. Le voir, son sujet, c'est bon. Mais il faudrait dire on peut le voir. Mais on va comme. Parce que comme à ce moment-là, un comme ça se trouve dans la conjonction coordination. Donc, ça suppose qu'une phrase n'a pas. Là, vous pouvez venir avec le temps. Exactement. Ouais. Et Marianne, je vous remercie. Ce qui est très important,